Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Alors, je vais faire l'appel. Maïsa Thierry présent, Humbert Audrey, Dalbigo Jean-Christophe, Gali Bérani, Pure Philippe, Garcia Josepha, Graine Marcel, présent. Chimène Sivaev, Nicolas Nouma, Félé Marie-Hélène, présent. Para Séraphin, présent. Mounios Dominique, présent. Archimbo Nicolas, présent. Galambo Sandrine, présent. Boupinier Hervé, présent. Bouguet Emmanuel, présent. Pro Roger, qui a donné pouvoir à Para Séraphin, Caruso Vanessa, présent. Laurent David, présent. Agnène Delphine, présent. Boujema Bruno, qui a donné pouvoir à Caruso Vanessa, Laura Patricia, qui a donné pouvoir à Archimbo Nicolas. Deux Jean-François. Présent. Boinel Charline, qui a donné pouvoir à Gali Véranique. Défense Simon. Présent. Olombel Patrick. Présent. Essara Calu-Valdiziane. Présent. Falcon de Lucas Chantal. Présent. Charbonnier Bernard. Présent. Dardé Pascaline. Présent. Boudard Nicolas. Présent. Aspa Didier. Présent. Focas Gilles. Présent. Alors juste une bon, alors juste une secrétaire de séance. Vanessa? Ben, comme tu le fais bien, allez, c'est Vanessa. Merci Vanessa. Juste des informations, nous avons rajouté des personnes dans les commissions, dans les comités consultatifs plutôt. Alors je vais donner des noms en développement économique. Il a été rajouté Vanessa Caruso. Il a été rajouté aussi Monsieur Jacques Baudot et Brigitte Lecuyer à la commission culture et patrimoine. Il y a une personne. À la commission festivité, il a été rajouté Franck Nourisson, Christiane Martin et Mireille Bognol. À la commission agriculture et chemins ruraux, il a été rajouté Christophe Gomez, Francis Gomez et Lionel Bonnet. À la commission urbanisme et grands travaux, il a été rajouté Pierre Michel, Jonathan Mozac, Franck Nourisson et Gérard Rochel. À la commission environnement et cadre de vie, Brigitte Lequillier et Gérard Rochel. Au sport, ça avait été un oubli, il a été rajouté David Laurent. Il a été rajouté aussi Cyril Niveau et Julien Rougelin. À la commission éducation et jeunesse, il a été rajouté un représentant des établissements scolaires et tête de liste des parents élèves élus. À la commission éthique, il a été rajouté M. Franck Nourisson. Et pour finir, à la commission santé, il a été rajouté Betty Bourguet, Gisèle Jean et Jean-Claude Jean. Voilà, pour les personnes qui ont été rajoutées sur les commissions. On avait demandé aussi pour la création de la commission d'attribution des places du port mixte de Mezel, la liste Ensemble Vert 2026 nous a informé que c'est Didier Aspa qui représentera le groupe. Par contre, M. Focas, vous oubliez d'ici la fin de la semaine. D'accord, ok, je vous remercie. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 mars 2022. Je soumets l'approbation des élus, le procès-verbal de la séance du 17 mars 2022, joint en annexe. Y a-t-il des remarques ? Aucune remarque ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci.
Monsieur le maire, s'il vous plaît. Oui, madame. Oui. Je suis assez étonnée quand même qu'en décembre 2026, approuve ce compte rendu de conseil municipal, puisque j'ai suivi donc sur les réseaux sociaux leur petit compte rendu, et je suis étonnée parce qu'il est complètement différent de celui qu'ils viennent de voter aujourd'hui. Pas de remarquer. Ok. Question 3. Récapitulatif des décisions prises par M. le maire. Y a-t-il des observations ou des questions? Oui. M. Rocas. Des questions sur la nature du litige qui concerne M. Bruno Jimenez. Oui, c'est un litige en urbanisme. Il s'agit d'un permis qui avait été accordé par la délégation spéciale sur Encore, qui à l'époque, a priori, s'était posé des questions s'il l'accordait, s'il l'accordait pas. C'est une gêne entre voisins. Donc, en gros, le permis du point de vue urbanisme paraît régulier. Enfin, on dirait que c'est un trompe, mais de ce que j'ai compris, c'est ça. C'est-à-dire qu'en urbanisme pur, il n'y a aucune raison de refuser ce permis. Par contre, pour des questions d'ouverture et de gêne de voisinage, le voisin l'a pas. Donc la question que M. Encore s'était posée à l'époque, c'est je vais être attaqué dans les deux cas, soit je refuse et je suis attaqué par le pétitionnaire parce qu'un urbanisme irrégulier, soit je l'accorde et il y a effectivement un risque de conflit avec les voisins. Donc aujourd'hui, on est dans le conflit de voisinage, la mairie étant attaquée parce qu'en accordant ce permis, elle aurait créé un dommage à un riverain. Voilà, exactement. C'est le problème de voisinage. Donc, on est, étant donné qu'il y a un recours déposé, on est obligé de désigner un défenseur de la ville. À votre observation. Question numéro 4. Finance. Budget principal de la ville de Metz. Alors, lors du débat d'orientation budgétaire, j'ai souligné le caractère politique du budget. Effectivement, environnement, mobilité, transition énergétique, cadre de vie, patrimoine, animation, commerce, solidarité, services publics sont nos axes d'action et nos priorités politiques. Dans ce premier budget, nous trouvons une traduction concrète. Et les prochaines années feront cette action confortée et même amplifiée. Ce soir, je voudrais insister sur la stratégie qui est la nôtre. Nous voulons impulser une dynamique nouvelle pour Metz. Nous voulons enclencher un cercle vertueux pour mieux servir encore les maisons. Ce cercle vertueux sera basé sur 4 piliers qui vont interréagir. Un cap politique bien défini. Nos projets, nos priorités reflètent notre vision politique pour une commune agréable à vivre dans un environnement préservé. Une planification claire. La programmation pluriannuelle des investissements, nous pourrons certes l'adapter en fonction des circonstances, mais nous la concrétiserons avec détermination. Une maîtrise forte, notre gestion sera volontaire et responsable, et nous saurons assumer les décisions à prendre afin de préserver et améliorer notre situation financière. Une synergie autour de Metz, nous mobiliserons le soutien et l'action de tous nos partenaires institutionnels. Ainsi, avec la conjugaison de ces 4 éléments forts, nous pourrons faire mieux pour Metz. Nous pourrons à la fois investir plus et améliorer nos équilibres structurels. Ce n'est pas une antinomie. Cette vision stratégique est très ambitieuse et à la hauteur de l'action que nous voulons mener pour notre commune. Notre détermination est sans faille et pour parvenir à relever ce nouveau défi. Je vais laisser la parole à Marcel Graine, qui va vous présenter les finances et le budget principal de la ville de Metz, compte de gestion 2021. Merci, monsieur le maire et chers collègues. Mais avant de démarrer, je voudrais juste faire ce que j'appelle un avertissement. Afin de ne pas alourdir la séance du Conseil de ce jour, compte tenu du nombre élevé de questions examinées, nous ne ferons pas, à l'instar de la dernière séance du Conseil, la présentation sur écran de la note de synthèse
distribué avec l'ordre du jour, hein, qui est là, et les questions soumises à délibération. Nous avons en effet fait le choix d'élaborer cette synthèse portant sur les comptes administratifs et les budgets primitifs sous forme de diapositives afin de rendre plus intelligible cette communication aux élus. Le diaporama demande en effet 1h30 d'exposé. Cette présentation PowerPoint fait en fait suite à la présentation du rapport d'orientation budgétaire au Conseil qui a été réuni le 17 mars dernier et elle a été soumise aux membres de la commission consultative Finances le vendredi 8 avril dernier. Nous voterons donc, suivant l'ordre des questions inscrites, dans l'ordre du jour. Mais, au moment de l'examen des comptes administratifs de l'année 2021, Monsieur le maire quittera la salle du Conseil comme le veut la loi, dont les dispositions sont inscrites dans l'article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales et qui précise que, dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote. Alors vous constaterez que chaque question relative au compte administratif et au budget primitif est accompagnée d'explications permettant de comprendre le contenu des documents comptables adressés aux élus, et ça vous permet après coup de vous référer au vote que vous avez donc prononcé. Avant de passer à l'exposé des questions inscrites à l'ordre du jour, je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à notre directeur général des services, M. Benoît Kèvre, et à la responsable du service comptabilité, Mme Magali Claire, pour le travail accompli, et de même, à rendre un hommage tout particulier à Mme Muriel Barthez, qui a la lourde charge de contribuer à la rédaction des questions et surtout à leur diffusion aux élus. Alors, question numéro 4. Budget principal de la ville de Metz. Je vous présente le compte de gestion 2021 du budget principal de la ville de Metz. Je précise que le compte de gestion 2021 dressé par le comptable public est conforme au compte administratif 2021 et n'appelle ni observation ni réserve. Il est donc demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir déclarer que le compte de gestion du budget principal de la ville de Metz, dressé par le comptable public, visé, certifié, conforme par l'ordinateur, n'appelle ni observation ni réserve. Y a-t-il des questions ? Oui, M. Foucas ? Non, juste par rapport à la remarque préliminaire, moi je regrette que ces diapositives ne soient pas diffusées. Bon, ça dure peut-être 1h30, on peut faire en sorte peut-être de les raccourcir, etc. Mais je trouvais que c'était une très bonne initiative, ça permettait au public, même si quelquefois il n'est pas très nombreux, de pouvoir suivre ce qui était dit et ce qui était présenté. Et moi j'irais même plus loin. Moi je diffuserai à tous les conseils, toutes les notes de synthèse visibles au public au fur et à mesure du conseil. C'est une question de transparence. Après, je comprends, hein, je comprends qu'on puisse faire cet autre choix, il n'y a pas de problème. Mais pour ma part, je trouve que c'était une bonne avancée et je regrette que ce ne soit pas le cas ce soir. D'autres observations ? Bon, mais écoutez, on va passer au vote. Hein. L'équipe municipale, enfin, le groupe d'opposition, enfin, l'ancien groupe d'opposition s'abstiendra sur cette question. Par contre, le groupe majoritaire votera pour. Madame Silva ? Oui. On s'abstiendra effectivement, parce que donc ce budget n'était pas le nôtre, évidemment. Nous n'avions pas voté lorsque nous étions élus d'opposition. Il y a quand même peut-être des remarques à faire, notamment les investissements. Donc, j'ai cru lire aussi sur les réseaux sociaux que vous avez fait donc, 5 millions d'euros d'investissement en 2021. Donc, le CA que vous avez pu travailler et étudier. Voilà.
donc ne reflète pas du tout ces 5 millions d'investissements, mais bien 2 354 703 euros précisément, et non 5 millions comme vous avez marqué sur vos réseaux sociaux. Ensuite, concernant donc les 1 million d'euros d'excédent budgétaire, vous avez quand même oublié de dire qu'il y a eu 1 million d'euros d'emprunt réalisé en fin d'année 2021, donc sous la gestion de votre majorité de l'époque. Voilà, donc moi je m'abstiendrai bien sûr sur ce bilan qui ne me correspond pas du tout. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? On va passer au vote. On est bien sur le code de gestion là. Oui, oui, oui. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Il faut que l'on reprenne le détail des abstentions. Alors, on recommence. Qui s'abstient ? Il y a des pouvoirs. Ah oui. Et qui est pour ? Tu as tout. Voilà. Question 5, la présentation du compte administratif. L'examen du compte administratif 2021 est l'occasion pour moi de faire un rappel bref mais clair de la situation financière au 31 décembre 2021. Le résultat du compte administratif 21, compte tenu des restes à réaliser, est de 1 500 000. Il a été atteint grâce au recours à un emprunt de 1 million d'euros. Les caisses ne sont donc pas vides, mais elles ne sont pas aussi bien pleine. L'épargne nette est de l'ordre de 600 000 euros. Cela reste un niveau trop faible pour une commune comme la nôtre. L'endettement pèse fortement sur le budget. Presque 2 millions sont consacrés à l'annuité de la dette en 2021 et encore en 2022, c'est trop. La situation structurelle est bien celle d'une commune qui est sortie du réseau d'alerte de l'État voilà seulement 3 ans. Notre santé financière reste faible et fragile. Elle fera l'objet de toute notre attention pour ne pas la dégrader et la renforcer progressivement. Alors, donc, je vais laisser la parole à Marcel Graine qui va vous présenter le compte financier du budget principal, compte administratif 2021. Et, monsieur le maire, au moment du vote, qui vous êtes le président et je sortirai. Au moment du vote. C'est vous qui présidez. Oui. Merci. Bien, compte administratif principal. Compte administratif 2021 relatif au budget principal. Alors, la balance générale du compte administratif fait apparaître les chiffres suivants. Les soldes d'exécution en fonctionnement s'élèvent à 1 756 042 euros et quelques centimes. Soldes d'exécution de la section investissement s'élèvent à moins 1 307 000 euros 205, ce qui fait que, avec les reports 2020, ce solde d'exécution se présente de la manière suivante. Fonctionnement 1 291 621 euros, investissement moins 309 947 euros. Le total des réalisations et reports. Si on fait fonctionnement ou investissement, nous arrivons à une somme de 1 430 511 euros. Avec par ailleurs un reste à réaliser, à reporter, de moins 380 239 euros. Cela nous amène à un résultat de clôture suivant. En matière de fonctionnement, 3 047 663 euros. La section d'investissement à moins 1 997
392 €, ce qui nous amène à un total cumulé de 1 050 271 €. Et comme l'a rappelé M. le maire, heureusement qu'il y a eu l'emprunt de 1 million d'euros, sinon nous aurions été juste positifs. Si vous le souhaitez, je peux vous détailler les dépenses de fonctionnement, les recettes de fonctionnement, puis les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement. Est-ce que vous souhaitez avoir l'énoncé de tous ces chiffres ou pas ? Bon, visiblement pas. Donc, après ce très rapide exposé, il est donc demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir approuver le compte administratif 2021 du budget principal et donner quitus à monsieur le maire de sa gestion. Monsieur le maire s'étant déporté, y a-t-il des questions ? Juste pour ces questions-là, on aimerait dissocier les votes. Parce qu'on ne peut pas voter de la même manière sur le quitus et sur l'approbation. En tout cas, ce qui nous concerne. Il n'y a aucun problème. Apparemment, c'est un vote global qui nous est demandé. Donc, y a-t-il une ancienne intervention ? Pardon, oui. En fait, je crois que c'est pas trop possible. Si vous voulez pas donner quitus, vous votez contre. Plusieurs choses. La première chose, peut-être pour une question pratique, peut-être on aurait dû passer les comptes de gestion d'un coup et après passer les comptes administratifs. Ça aurait permis au maire de ne pas faire l'aller-retour 15 fois entre l'extérieur et l'hémicycle, si on peut appeler le conseil municipal comme ça. Deuxième chose, explication de vote. Le compte de gestion, moi, j'ai pas voté le bilan. J'ai approuvé le fait que les comptes de gestion sont conformes au compte administratif. C'est pour ça que j'ai voté pour. Voilà. Et il me semble que ça marche comme ça. Oui. Voilà. Donc maintenant sur le compte administratif. Donc, compte administratif, bilan 2021, qui est bien sûr surtout imputable à l'équipe précédente. Alors, cette équipe précédente, elle a dû faire face à des événements, le Covid, les élections annulées, un certain nombre de choses. Donc, les chiffres, ils sont difficiles à être comparés par rapport aux autres années, et ils sont souvent tronqués. Mais, moi, ce que je note, pas juste, je note ça aussi par rapport aux réflexions que je viens faire sur le BP 2022, après, hein, puisqu'on part d'un bilan, et après, on en tire les conséquences, et on apporte des solutions, des perspectives. Alors, page 16, je constate qu'on a encaissé 180 000 € d'impôts directs en plus que prévu. 200 000 € de droits de mutation en plus que prévu. 30 000 € de droits de place en plus que prévu. Et encore, il manque les 435 000 € prévus pour la compensation de taxes de mutation par l'État. Malgré cela, on a plus de 173 000 de recettes réelles en 2021 que ce qui était prévu voté dans le budget primitif. Sur les dépenses, on est à 322 000 € grosso modo de dépenses moins que prévu. Donc, un résultat de fonctionnement qui est quand même pas, au vu du contexte, hein, que je qualifierais quand même de pas mal. Sur l'investissement, on est à un taux de réalisation, quand on prend les dépenses réelles d'investissement, de 84%. Ça aussi, c'est un bon chiffre. Je ne vais pas énoncer que des bons chiffres, ne vous inquiétez pas. Il faut noter que sur ces investissements, le gros qui n'a pas été réalisé, c'est 200 000 €
de dons réalisés sur les réseaux de voirie. Et les Maisois s'en aperçoivent, je pense, tous les jours. Sur les recettes, 130 000 euros, en plus de taxes d'aménagement, quasiment 100% de surplus. Alors sur la dette, c'est un sujet qu'on a abordé en commission des finances et qui est cher à Marcel Graine, qui veille aux graines, sans faire un mauvais jeu de mots, je m'excuse. Donc il y a des dizaines d'emprunts en cours. Et effectivement, il y a quelques emprunts qui ont encore des taux à plus de 4%, et pour la plupart des emprunts de plus de 10 ans, de plus de 9 ans pour être plus précis. Donc, la question de la restructuration de Marcel, tu me coupes si je dis une bêtise, hein, que Marcel soulève ces derniers temps, elle est justifiée. Elle est justifiée, mais il faut faire attention, comme on a dit en commission de finances, aux pénalités. À sa structure de la dette elle-même, qui fait que, bien sûr, on paie moins d'intérêts en fin d'emprunt qu'en début d'emprunt. Les engagements au bilan, 18 400 000, qui concernent pour la grande partie les constructions de logements sociaux. Alors là, je ne sais pas comment on peut interpréter ça. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est... Ça, c'est une question que je pose. Hein. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est excessif ou pas, dans une perspective que vous avez de favoriser encore d'autres logements sociaux? Vous voyez, parce que si vous faites d'autres logements sociaux, même s'ils viennent du secteur privé ou du secteur OPHLM, etc., on vous demandera de cautionner, etc. Donc, ça, c'est une question que je me pose. Peut-être M. Kepp pourra y répondre. Sur l'épargne brute, on est à 13%. On admet que c'est entre 8 et 15, que les chiffres sont acceptables. Maintenant, bien sûr, chaque commune est différente. C'est difficile de comparer. Et l'épargne nette, elle est valeur absolue de 500 000 euros. Alors, j'ai essayé après de consolider sur les autres budgets, etc. Ça a très peu d'impact sur le résultat. Donc, moi, ma conclusion, c'est qu'on part de quelque chose qui ne correspond pas à ce que j'avais connu lorsque j'étais conseiller municipal jusqu'en 2017, où la situation était beaucoup plus embêtante. Le seul problème qu'on a, on l'a toujours, et d'ailleurs, ça se relève dans les ratios, c'est le ratio de dette de la ville de Metz par rapport au ratio des villes de même strate. Ce qui est peut-être un problème pour emprunter, un problème aussi vis-à-vis des banques. Et après, j'ai une petite remarque sur le personnel. Je suis étonné que la ville de Metz n'ait pas d'apprenti. L'apprentissage, c'est quelque chose qui est pour moi important. Peut-être quelque chose qui est à mettre positif du dernier mandat présidentiel, d'ailleurs. L'une des seules choses, à mon sens. Et pourquoi les communes, les intercommunalités, moi je trouve qu'on devrait plus se pencher là-dessus, parce qu'on a des métiers, on a des agents qui aiment leur métier, et on a tous les corps de métier dans la mairie, on pourrait former pas mal de gens. Voilà. C'était mes remarques par rapport au compte administratif. Je n'étais pas élu, je m'abstiendrai. Non, très bien. Vous apportez une réponse. Qui lève la main? Ok. Juste pour répondre à M. Focas, effectivement, il y a peu d'apprentis, mais il y a 3 apprentis qui ont signé des contrats au mois de septembre. Ouais. Et peut-être qu'il y en a eu d'autres depuis. Il y en a aussi au CCAS 2. Auxiliaires de PR, et il y en a eu la maison de retraite. Également. C'est pas à l'échelle de ce que je présente. Oui, on m'a dit, la commission des finances m'a dit qu'il n'y en avait pas, donc vous pouvez apporter une précision. Alors. Bon, ça donne déjà une idée des réponses qui peuvent être apportées.
C'est vrai qu'il y a un effort à faire vis-à-vis de l'apprentissage, en utilisant les capacités, je dirais, des agents de la commune, de façon à ce qu'ils puissent intervenir en tant que maître de stage. Ce qui, dans le domaine de la pédagogie et de la compétence professionnelle, est quelque chose d'assez assez difficile et contraignant. Mais c'est une orientation que l'on prend et que l'on souhaite, justement, améliorer. Ensuite, sur les engagements hors bilan, il se trouve que maintenant, quand il y a des projets d'aménagement de logements sociaux, des programmes, c'est maintenant l'agglo qui prend à son compte le cautionnement des emprunts qui sont souscrits par les bailleurs sociaux. Donc c'est un changement de portage, ce qui fait que ceux qui apparaissent encore sur le budget principal, vous voyez, sont dans le passé et que les derniers n'apparaissent pas, parce qu'ils ont été pris par l'agglo. Très bien. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir passer au vote. Donc, je vous demande donc de bien vouloir approuver le compte administratif 2021 s'agissant du budget principal et donner quitus à Monsieur le maire de sa gestion. Alors, qui est pour ? Qui est... On va compter. Levez haut la main. Bon. Baissez les mains. Qui s'abstient ? Abstention, puisque M. le maire ne prend pas part au vote. Hein? D'accord. Donc ça fait 8. Ça fait 9 abstentions. Allez. Bien, nous allons pouvoir passer à la question suivante. Il s'agit de l'état, question numéro 6, de l'état annuel présentant l'ensemble des indemnités brutes de toute nature des élus municipaux. Alors, il faut se rappeler que dans le but d'instaurer des mesures de transparence applicables aux élus des communes, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la loi du 27 décembre 2019, dans ses articles 92 et 93 relatives à l'engagement et à la proximité, a instauré l'obligation d'établir chaque année, avant l'examen du budget, un état présentant l'ensemble des indemnités dont ont bénéficié les élus siégeants au sein de leur conseil au titre de l'année N-1. Donc ces indemnités sont celles afférentes à l'exercice de tout mandat ou de toute fonction, soit toutes les sommes perçues par les élus au titre d'un exercice, même si elles n'ont pas formellement l'intitulé indemnité. Alors, concernant le formalisme lié à la présentation de cet état, il n'y a pas de contrainte particulière hormis la mention des montants en euros bruts avant toute retenue fiscale ou sociale. Cet état doit donc être communiqué à l'ensemble des membres du conseil municipal avant l'examen du budget pour l'exercice suivant. Il ne fait pas l'objet d'un vote. C'est la raison pour laquelle je vous demande simplement de prendre acte de la présentation de l'état annuel de l'ensemble des indemnités de toute nature perçues par les élus siégeant au sein du conseil municipal de la ville de Metz pour l'année 2021. Cet état a été annexé au projet de délibération qui vous a été adressé. Y a-t-il des questions, Monsieur Lucas? Désolé, je suis un petit jeune qui débute.
sur cet état, je n'en vois pas les indemnités de l'aglo. C'est une question, hein, je veux dire. En fait, l'agglomération devrait voter, elle n'a pas fait, elle devrait voter le même état de son côté. Et donc là, les élus de Metz apparaîtront sur celui de l'aglo. Mais nous, on n'a pas le même. Voilà, la question s'était posée, hein, on avait posé la question. Oui, parce que c'est contradictoire avec l'énoncé de la... Exactement. Mais c'est toute indemnité de toute nature, hein, sauf que les regroupements intercommunaux directement liés ne sont pas concernés. C'est-à-dire qu'eux, ils vont faire un état de leur côté à l'aglo, sur lequel les élus de Metz qui étaient rémunérés apparaîtront. Okay. C'est pas la totalité. D'autres questions ? Non ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? On ne vote pas. On prend acte. Question numéro 7, foncier bilan des acquisitions et cessions 2021. Alors, je rappelle que l'article L2241 du Code général des collectivités territoriales dispose que le bilan des acquisitions et des cessions immobilières effectuées par les communes de plus de 2000 habitants doit donner lieu chaque année à une délibération du conseil municipal qui est annexée au compte administratif. La date à prendre en compte pour l'établissement de ce bilan est à la date du transfert de la propriété. Donc, je présente le bilan 2021, droit de préemption. 380 déclarations d'intention aliénées en zone urbaine ont été déposées en 2021. 63 déclarations d'intention aliénées en zone agricole et naturelle ont été déposées en 2021. 12 déclarations d'intention d'aliéner des fonds de commerce ou artisanaux ont été déposées en 2021. Exercice du droit de préemption urbain pour la commune. La commune a exercé son droit de préemption urbain pour acquérir la parcelle cadastrée section CT numéro 11, lot B, remise et terrain attenant d'une contenance de 608 m² située route de Villerac au montant de la DIA, soit 340 000 euros, en vue d'agrandir les ateliers municipaux situés en continuité ancienne caserne d'Ypres. Acquisition amiable dont les actes ont été régularisés en 2021. Vente amiable dont les actes ont été régularisés en 2021. Bilan des acquisitions et cessions 2021. Acquisition 340 000 euros. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'exposé ci-dessous, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir attester de la présentation du bilan de cessions des acquisitions 2021. Y a-t-il des questions ? Bon, je passe au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. Question numéro 8. Marché public, bilan des marchés publics 2021. Je laisse la parole à Marcel Grenier. Merci, monsieur le maire. Donc, il convient de rappeler que l'article R2196-1 du Code de la commande publique et relatif à la mise à disposition des données essentielles des marchés publics, prévoit, premièrement, un accès libre, direct et complet aux données essentielles des marchés répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure à 40 000 euros sur son profil acheteur dématérialisé. Deux, une publication au cours du premier trimestre de chaque année de la liste des marchés d'un montant égal ou supérieur à 25 000 euros hors taxe conclue l'année précédente sur le support de son choix. Cette liste mentionne l'objet, le montant hors taxe et la date de conclusion du marché, ainsi que le nom de l'attributaire et son code postal. Donc, conformément à cette réglementation, la situation des marchés conclus en 2021 a été annexée à la présente délibération. Donc, vu le code général des collectivités territoriales, vu ce tableau rassemblant les données essentielles des marchés publics 2021 annexés, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir attester de la présentation du bilan des marchés publics 2021 dans ce tableau joint en annexe et qui, je rappelle, recouvre les travaux, les fournitures, les services et les prestations intellectuelles.
Des questions, des observations? Il n'y en a pas. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Question numéro 9, finance, budget principal, affectation du résultat 2021. Je laisse la parole à Marcel Grain. Merci, monsieur le maire. Affectation de ce résultat 2021, eh bien, il faut considérer le résultat de fonctionnement de 2021 d'un montant de 3 047 663 euros et 67 centimes et le besoin de financement après prise en compte des restes à réaliser de la section d'investissement, soit 1 997 392 euros et 31 centimes. Dans ce cas, M. le maire propose d'affecter l'excédent de fonctionnement conformément au tableau de reprise des résultats qui vous a été présenté. Affectation obligatoire du résultat, donc 1 997 392, qui se répartissent ensuite affectation complémentaire au chapitre 1068, c'est-à-dire les excédents de fonctionnement capitalisés pour 450 271 euros et 45 centimes. Et enfin, report à la section de fonctionnement excédent de 600 000 euros. Il faut préciser que l'affectation complémentaire au chapitre 1068 oriente clairement la somme de 450 271 euros 45 centimes vers le financement d'investissements nouveaux. Il est donc demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir affecter l'excédent de fonctionnement au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé du budget 2022, à hauteur de 2 447 663,76 euros, et affecter le solde de l'excédent de fonctionnement, soit 600 000 euros, compte 002, c'est-à-dire excédent de fonctionnement reporté du budget 2022. Des questions, des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Question numéro 10. Finance, budget principal de la ville de Metz, vote du budget primitif 2022. Et je laisse la parole encore à Marcel Grain. Merci, monsieur le maire. Eh bien, s'agissant de ce budget 2022, je rappelle qu'il se répartit en section de fonctionnement et en section d'investissement. Au titre de la section de fonctionnement, bien entendu, les montants sont équilibrés. Dépenses comme recettes à 16 748 000 euros, 917 euros, pardon. Et pour la section d'investissement, équilibrée à 6 850 975 euros. Sauf si vous le souhaitez, je ne vais pas lire l'ensemble des dépenses de fonctionnement, des recettes de fonctionnement, des dépenses d'investissement et des recettes d'investissement qui sont mentionnées sur cette question numéro 10 et que vous avez donc tous reçues et pu donc lire à l'avance. Y a-t-il des questions? Déjà. Monsieur Charbonnier. Merci. Bonsoir tout le monde. Ce n'est pas une question, c'était juste une petite information. À la page 12 du diaporama, il apparaît comme action nouvelle l'initiation à la voile pour les CM2. Donc, je voulais, si vous le permettez, préciser un petit peu ce qu'il y a dit sur l'initiation à la voile pour les CM2. Le projet Béabatou a été créé à l'époque par l'ancien juge aux affaires scolaires, M. Louis Jean-Jean, qui a fonctionné pendant de longues années. Puis en 2018, pardon, me semble-t-il, ce projet Béabatou a été arrêté par faute de financement, principalement par la région. Et donc, après une année de flottement, il a été décidé de proposer aux élèves de CM2 les classes voiles. Ça fonctionnait pendant deux ans. Et l'année dernière, il a été décidé par les profs de PS du collège et une concertation avec la commission sport de l'époque, de proposer la voile aux élèves de CE2. Et donc, ça crée
un trouble, si je peux m'exprimer ainsi, pour les CM1 et les CM2 de cette année qui n'auraient pas eu classe voile. Et donc, c'est pour cette raison qu'à la page 12, il y a écrit comme action nouvelle initiation à la voile pour les CM2 en 2022 et en 2023 pour que tous les enfants du cycle puissent avoir accès à la voile. Mais l'initiation à la voile à Metz n'est pas nouvelle, date depuis de nombreuses années. Je vous parle du projet de la bateau en 2008, mais quand je suis arrivé en 1995, il y avait déjà de la voile pour les CM2. Voilà, merci. Monsieur Pocas. Oui. Je m'attendais à une présentation plus longue du budget du BP. La première chose, je pense que peut-être il aurait été judicieux d'inverser la 10 et la 11, parce que le vote des taux de fiscalité influe sur le budget primitif. Et donc, si on ne vote pas les taux de fiscalité, ça vous fait. Ça laisse tout le monde, mais c'est une phrase qui me fait toujours rire, parce qu'on sait ce qui va se passer. Mais en théorie, on ne devrait pas savoir ce qui va se passer, parce que c'est après le vote que ça se fait. Mais bon, on va faire comme si. Alors, je répète ce que j'avais dit sur la difficulté d'établir un budget primitif qui est prévisionnel, en fait, avec toutes les incertitudes que connaît notre pays et le monde. Des impacts d'événements exogènes, des impacts sur les marchés, sur l'inflation et sur les taux d'intérêt, parce que il faut plutôt s'inquiéter, les taux d'intérêt, petit à petit, ils vont être obligés de les bouger. Alors, sur ce budget primitif, je constate que vous comptez baisser tous les frais honoraires, frais judiciaires, frais d'actes de contentieux qui sont élevés l'an dernier à 77 000 euros. Vous comptez les réduire de moitié. Donc, j'en déduis que vous espérez avoir moins de litiges que ce qu'ont connu l'équipe précédente en 2021. Vous prévoyez un recours à l'emprunt de 500 000 euros qui avait été de 1 million d'euros en 2021. Et vous prévoyez 200 000 euros de frais d'études sur le budget primitif. Donc, qui dit autant de frais d'études veut dire une politique certainement ambitieuse avec beaucoup de projets, mais qui ne se réaliseront certainement pas en 2022 comme on l'a dit. Je constate sur votre diaporama ce que j'avais fait remarquer en commission de finances sur l'hébergement municipal sur le CA 2021, qu'il y a une ligne qui ne devrait pas être, c'est-à-dire qui est imputée en haut, ligne fonctionnement, c'est la somme des recettes et des dépenses de fonctionnement. Donc ça, je pense que vous le corrigerez. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a un peu chagriné. Parce que moi, j'étais très heureux quand on a fait des déclarations d'intention en disant on va baisser les indemnités des élus. Et je constate que même si, on en a parlé quand M. le maire m'avait reçu, hein, juste après les élections, donc il y a certes une baisse par rapport à 2021 des indemnités du maire, une baisse. C'est toujours bien une baisse, donc je me permettrai pas de dire légère. Sur les adjoints, il n'y a pas de baisse. Et comptablement, parce que c'est ça qui compte, c'est comptablement combien les élus coûtent aux maisons. Eh bien, cette ligne, elle augmente. Elle augmente. Alors, vous allez dire qu'en 2021, c'était pas complet parce que il y a un demi-mois qui part en 2022, mais ça ne suffit pas. Moi, j'ai relevé tout, depuis 20 ans, les indemnités du maire, et j'ai fait un tableau. Alors, j'ai les chiffres. Et je me suis basé que sur les comptes administratifs, c'est-à-dire
les réaliser. Alors je me souviens déjà en 2014, où je m'étais offusqué de la forte augmentation que M. Fricou s'était octroyée. On était en 2013 à 121 000 euros par an. On est passé en 2015 à 163 000, 526 euros en 2015, parce que 2014, l'élection était au milieu, donc c'est difficile de se donner un chiffre. Ensuite, 2020, on l'a vu, ça a été commenté, avec tous les conflits qu'il y a pu avoir entre les groupes majoritaires et d'opposition, encore une grosse augmentation des indemnités élues. Mais à l'arrivée, comptablement, et je prends 2019, c'est le même mandat, c'est pour moi le précédent mandat, c'est 2014-2020, donc en 2019, c'était 146 675. En 2018, 159 000. Donc, on va dire que ça oscille entre 145 000 et 160 000, ce que coûtaient les élus par an aux maisons. On prévoit, dans le budget primitif 2022, 178 423. Alors voilà pourquoi je suis un peu surpris, enfin, un peu déçu. Je ne suis pas surpris parce que je sais comment ça marche. Les institutions sont là, etc. Je ne veux pas... jeter la pierre forcément, mais je constate et en constatant ça eh bien qu'est-ce que je me dis, est-ce que ça valait la peine là, depuis des années et moi-même en 2014 de faire tout ce pataquès sur les augmentations et les baisses des indemnités. Voilà, donc moi je suis surpris par ça. Après il y a une réelle économie bien sûr, c'est la suppression du poste de directeur de cabinet ou de chef de cabinet. Ça, c'est la réelle économie, c'est celle qui impacte le plus le budget, que la baisse des indemnités de M. le maire. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Merci. Monsieur Pocache, je vais quand même vous répondre, parce que l'indemnité des élus, elle y est, elle est réelle. Hein. Seulement, vous prenez comme modèle 2019. Et en 2019, au mois d'août, nous avons démissionné, c'est-à-dire moi, Yves Pietrasanta, Madame Silva, et on a fait finalement que 6 mois. Enfin, 8 mois. Si c'est pour ça qu'après, j'ai pris 2018, j'ai cité les deux chiffres, 2019 et 2018. 2018, 159 951. 2022, prévu. 178 423. Ben écoutez, si vous voulez, on pourra remonter. Vous verrez qu'on a baissé les indemnités. Certes, les adjoints sont restés pareils. Moi, mes indemnités personnelles, elles ont baissé. Et vous verrez que sur le chiffre global, on est largement en dessous. Voilà. Moi, je suis d'accord, c'est que vous avez baissé les indemnités du maire par rapport à ce que s'était voté la majorité précédente pour monsieur le maire. Le maire précédent. Là, on est d'accord. Je n'ai pas dit le contraire. Simplement, c'est pas moi qui sors les chiffres. Hein, j'y suis pour rien, moi. Si en 2018, c'est 159 951 et en 2022, 178 423. Ça, c'est pas ma faute à moi. C'est ce qui est écrit sur les comptes administratifs. Ben écoutez, si vous voulez, on le redétaillera et vous verrez que l'indemnité, elles ont baissé. Voilà. Après, sur le global, je suis sûr qu'il y a au moins 12 ou 15 000 euros de différence entre la dernière fois et ce coup-ci. Et en plus, ce que vous avez dit bien rappelé, le chef de cabinet qui où il y avait un coût, et on avait calculé, il y avait à peu près entre 40 et 50 000 euros de moins de entre les indemnités et les enveloppes de frais de bouche, et ainsi de suite. Si vous voulez, on peut le détailler. Je n'ai pas dit le contraire. Hein. Je n'ai pas dit le contraire. Ce que j'ai dit a été très clair. Je compare des comptes administratifs, c'est-à-dire des choses qui ont été votées qui sont factuelles. Monsieur le maire, pour 2022 budget, on a repris les indemnités depuis la prise en fonction en décembre, début décembre, de l'équipe. C'est-à-dire que 2022, il y a 12 mois, 80, presque 13 mois. Ouais, c'est 6 000 euros. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas sur ce chiffre que vous annoncez au niveau compte administratif. Il faut enlever les indemnités de décembre qui ont été payées
sur le budget 2022. On parle toujours du directeur de cabinet, mais ce n'est pas une indemnité, il ne rentre pas dans les indemnités, c'est un salaire. On n'en parle pas, mais c'est une belle économie. S'il n'y a plus de questions, sachant que nos inscriptions budgétaires traduisent les choix politiques de l'équipe municipale, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement, nous allons donc demander à l'Assemblée de bien vouloir approuver les chapitres du budget primitif 2022 de la ville de Metz. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Ensuite. Question numéro 11. Finance, budget principal de la ville, approbation des taux de fiscalité directe 2022. Je laisse la parole à Marcel Grenet. Merci, monsieur le maire. Bien, je vais donc proposer au conseil municipal de voter les taux de fiscalité pour l'exercice 2022 de la taxe foncière bâtie et de la taxe foncière sur le non bâti, nécessaire à l'élaboration du budget primitif 2022. Alors, pour mémoire, les taux votés en 2021 étaient les suivants. Taxe foncière sur le bâti, 50,02%. C'est la somme de la, du taux communal qui est... 57, qu'est-ce que j'ai dit ? 57, ok. C'est la somme donc du taux communal qui est à 35,57 et du taux départemental qui est à 21,45. Le taux, la taxe foncière sur le non bâti est à 90,02%. La valeur locative cadastrale augmente de 3,4%. Donc afin de compenser partiellement cette progression et compte tenu des capacités financières de la commune, nous proposons une réduction du taux de la taxe foncière bâtie et une réduction du taux de la taxe foncière non bâtie qui passera de 90,02% à 85%. Ces deux baisses marquent le soutien de la municipalité aux ménages et aux agriculteurs maizois. Je vous propose donc d'appliquer cette réduction des taux pour l'année 2022 et de voter les taux suivants. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 56,73%. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 85%. Et donc d'approuver les taux de fiscalité ainsi proposés. Questions ? Y a-t-il des questions ? Monsieur Poucas. Oui. Donc, j'en ai déjà évoqué le fait en commission des finances. C'est très bien, c'est un beau geste symbolique, c'est 0,5% de baisse sur le taux de taxe foncière qui représente en fait 0,28 points de taux en moins. Alors, il y a deux choses. La première chose, bon, pourquoi ne pas arrondir pour avoir des taux qui, pour une fois, puissent s'en souvenir sans faire une inversion de chiffres, etc. Et ensuite, c'est à dessein tout à l'heure que j'ai signalé des 180 000 euros en plus de ce qui était prévu de recettes fiscales. Et d'après mes calculs, mais je me trompe peut-être, l'augmentation de des bases de 3,4% qui est prévu va induire mécaniquement une augmentation de la recette fiscale de 300 000 euros environ pour la commune. Et ça, sans compter les nouvelles arrivées, les nouvelles constructions, etc., qui vont, elles aussi, fatalement, incrémenter les nouvelles augmentations de rentrée fiscale. Donc, cette baisse de 0,5% de la taxe foncière
et la baisse de la taxe sur le foncier non bâti. Là, je remarque que vous avez fait un taux rond à 85%, ce qui est une bonne chose. Ça va impacter 50 000 euros dans le budget. Donc, d'un côté, on a 480 000 euros de recettes fiscales en plus. De l'autre, on rend 50 000 euros aux maisons. Donc moi, j'avais une proposition en commission des finances, on m'a dit que c'était fait. Le problème des commissions, c'est que c'est toujours fait, c'est toujours quelque chose qu'on vient de nous présenter. On donne son avis, même si on dit qu'on a raison ou qu'on a tort, il n'y a rien qui évolue, jamais. Et au bout d'un moment, c'est lassant. Et d'autant plus quand on est vice-président d'une commission. Donc, moi, ce que j'avais proposé, ce que je proposerais, ça serait de mettre un taux, par exemple, à 56,5. C'est encore un effort de 0,25 points en plus. Ça représente à peu près 35 à 40 000 euros sur le budget. Donc on rendrait 90 000 euros aux maisons sur les 480 000 euros qu'on encaisse en plus. Je pense qu'on peut le faire. Je pense que ça serait ça vraiment montrer vraiment un geste, puisque de toute façon, le maison, à la fin, il aura une taxe foncière supérieure à celle de l'an dernier. Voilà, c'était ma proposition, c'est pour ça que je vous ai parlé de verser le vote des taux et le budget politique. Je sais que ça ne sera pas voté, je sais que certains vont dire que c'est démagogique, c'est le jeu, l'opposition propose toujours quelque chose, la majorité, quand ça va trop loin pour le peuple, enfin pour les citoyens, c'est du populisme ou du démagogisme, c'est le jeu, mais j'aurais fait la proposition, c'est ce que je pense. Merci. Monsieur Daviaud. Oui, monsieur Focas. Juste deux observations. Les commissions finales, sont nouvelles, donc faut en prendre acte quand même. C'est le premier budget qui est préparé après deux commissions finales avec un DOB très fouillé et un plan pluriannuel d'investissement. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, les propositions à 50 000 euros, c'est pas par hasard. C'est exactement les économies de fonctionnement du train des élus qui a été remportée. Donc, c'est vrai qu'il y a une augmentation des recettes par l'augmentation des bases, mais si vous la mettez en corrélation avec l'augmentation de l'inflation sur tous les produits du chapitre 011, l'augmentation de l'énergie qu'on va subir, qui est prévue à une hauteur qui fait peur, ça, les 300 000 euros sont largement mangés sur la totalité du chapitre 011. Donc ce qui a été fait en fait, c'est que l'effort du train de vie des élus a été reporté sur la fiscalité. On aurait préféré faire plus, c'est sûr. Mais l'équilibre budgétaire, il est cette année mangé dans les 011 par tout ce qui est inflation et surtout énergie. Sur l'énergie, ça va être un carnage au niveau des factures. Prenez vos factures perso, vous projetez. Je viens de recevoir la mienne. Je suis mensualisé, j'ai une régularisation vraiment très très significative. Projetez-le sur les 400 000 euros de dépenses d'énergie de la commune et vous arriverez à des sommes très importantes. Pareil pour l'alimentation, pareil pour le 0,11 en général, avec une inflation qui va être assez augmentée. Donc c'est vrai que ça ne fait que 50 000 euros, mais il vaut mieux les avoir en moins sur les taux et en aide pour les maisons. On va préférer faire plus, mais c'est vrai que l'équilibre budgétaire, les 300 000 euros de base fiscale nouvelle qui vont arriver, elles sont mangées, même si on ne fait rien de plus que le budget de l'an passé. Oui, mais ces 3,4%, c'est quand même les maisons qui vont les payer. Et eux, ils ont aussi des charges d'électricité, d'énergie, de tout ce qu'ils achètent. Et l'inflation, il a subi ça eux aussi. Mais bon, moi je comprends votre explication. On n'est pas dans une opposition, quoi. Hein. Je veux dire, je suis là pour faire des propositions. Je pense que la proposition que je fais est raisonnable. Je pense que ce que vous faites est raisonnable aussi. C'est pas une question d'antagonisme, hein, c'est le débat. Voilà.
Madame Imbert. Oui, Monsieur Foucault, pour vous répondre, je suis d'accord avec vous, hein, sur votre argument est très bon, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'à un moment donné, en tant que bon père de famille aussi, il faut équilibrer les budgets, c'est ce qu'on a essayé de faire. Certes, c'est les maisons qui vont payer, bien entendu, cette augmentation d'énergie et autres sur toutes nos structures, mais c'est aussi les maisons qui font du sport, qui voudraient faire du foot éclairé, qui veulent également faire du sport dans des gymnases parfois chauffés ou des manifestations. Donc malheureusement, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Ça a été notre choix de pouvoir baisser cette taxe. Néanmoins, il faut quand même maintenir suffisamment pour l'équilibre. En ce qui concerne l'énergie, je suis plutôt bien placée pour savoir, en tant que présidente d'Héro Énergie, l'augmentation va vaciller entre 100 et 400% d'augmentation sur les factures l'année prochaine. Donc, je remercie M. le maire aussi d'avoir pris en considération et d'avoir anticipé, en fait, cette augmentation, parce qu'elle est réelle. Elle n'impacte pas ce budget-là, parce que Héro Énergie va acheter l'électricité pendant le Covid et peut la revendre et la restituer aux communes au prix de 42 kWh. Mais elle va passer, certainement, puisqu'on est en train d'acheter 50 millions d'euros d'énergie sur le marché aujourd'hui. Voilà, on n'a encore pas les appels d'offres, mais on tend plutôt entre 200 et 400 euros du kilowattheure. Donc je vous laisse imaginer ce que ça va coûter à nos communes, groupées, hein, pas qu'à la ville de Maine, et l'impact que ça va avoir sur nos concitoyens et sur nos infrastructures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de communes qui ferment leurs piscines, elles ne peuvent plus être chauffées, ou ferment les bâtiments communaux. Voilà où on en est, et cette crise-là, on l'a de plein fouet, on l'a subie, et on essaye de la minimiser, mais à un moment donné, on ne va pas y arriver. Donc malheureusement, on n'a pas pu baisser plus que cela le taux. Voilà, ça vous donne également une explication sur le futur budget en énergie sur 2023. Oui, ce que je pourrais rajouter, c'est quand même, c'est que... On l'avait promis, on l'a fait. Hein. Certes, peut-être que le taux n'a pas assez baissé, mais ce qu'il faut quand même se dire, c'est qu'en 2003, la ville de Metz avait subi un taux de fiscalité en augmentation, et depuis 2003, les taux n'ont pas bougé. Donc, je veux dire, c'est notre premier mandat. Au bout de 4 mois, bon, mais on essaye de faire un geste. Certes, il n'est peut-être pas assez important pour vous ou pour d'autres. Écoutez, déjà c'est fait. Et puis, bon, par rapport aux commissions, moi je tiens à féliciter, à remercier M. Graine et tous l'ensemble des présidents des commissions, car quand même, on est élu depuis 4 mois, on a eu bon, la mise en place, on est en train de restructurer au niveau des services, on a eu le budget à préparer. Et malgré ce, toutes les commissions ont été réunies. Donc je tiens quand même à féliciter et à remercier les élus qui sont ici autour de la table, car que je sache, lors du dernier mandat, la commission, il y en a certains qui ont un an et demi, on n'a pas pu se réunir. Donc je tiens à féliciter l'équipe pour le travail qui a été fait, et je félicite aussi les services qui ont monté un budget qui, je pense, tient la route, et j'espère que ça va continuer comme ça, et je souhaite à M. Foucas que vous preniez part, je sais que vous prenez part à la commission fiscalité avec M. Graine, mais ne vous inquiétez pas, vous serez entendu d'ailleurs à ce sujet, vous avez fait part tout à l'heure du PowerPoint qui n'était pas affiché. J'ai demandé à M. Kèvre que dans la semaine, tous les PowerPoint, que ce soit aussi bien du DOB ou du budget, ils soient mis en ligne afin que la population puisse le voir. Voilà. Merci. Je vous remercie. Qu'on ne se méprenne pas, rien contre les responsables des commissions. Hein. C'était une remarque générale. Que je vis depuis 20 ans en tant qu'élu avec ce petit intermède là de 2017-2022, où c'est vrai qu'on va souvent dans les commissions et on a l'impression plus d'une commission d'information que participative. Je suis d'accord avec vous, on va voir ce que ça va donner, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai qu'on est toujours un peu impatient, alors je le regrette et je m'excuse si j'ai blessé quelqu'un, c'est pas ça. Le but de mon intervention, c'est plutôt de dire... Faites attention, on a envie de participer, on a envie, comme je l'ai écrit dans le journal municipal, on veut être là,
pour servir à quelque chose pour la ville de Metz. Si on est là que pour prendre en considération ce qui est proposé, c'est bien, ça donne de l'information, mais il y a de la frustration, quoi. Voilà. Oui. Je peux simplement rajouter que la baisse des taux sur le foncier bâti et le foncier non bâti, ça reste toujours une espérance que nous comptons toujours mettre en œuvre les années prochaines. Mais je pense qu'il faut avancer avec beaucoup de prudence pour deux raisons. Alors, le plus facile, c'est sur le foncier non bâti, puisque autour, si on fait la moyenne des taux des communes mitoyennes de Metz, le taux moyen est à 82, quelques pourcents. Par contre, le taux moyen des communes sur le foncier bâti de ces mêmes communes est à 21,95. Donc on voit bien qu'il y a un écart très important entre le taux qui était appliqué à Metz, à 35,57 au départ, et cette moyenne à 21,895. Ce qui explique aussi les conséquences de ces taux d'imposition qui font fuir les jeunes ménages vers les communes où les taux sont plus faibles. Donc si nous on veut pouvoir conserver les jeunes ménages, c'est vrai que cela nous demande de baisser petit à petit les taux sur le foncier bâti, et je pense que nous le ferons dans les années qui viennent avec prudence, tout en sachant que la difficulté c'est de connaître d'une façon précise les ressources financières que cela représente et qu'elles ne sont connues que très tardivement, parce qu'en fait on les a eues la semaine dernière. Voilà. Vous voyez que c'est assez compliqué cette affaire à gérer compte tenu du fonctionnement des finances publiques. Parce qu'on peut passer monsieur le maire. Donc, oui, est-ce qu'il y a encore des questions? Écoutez, on va passer à monsieur Lommel. Je voudrais revenir, puisque j'ai le diaporama, sur la diapo numéro 13, à propos du budget RH Vérité. Je suis un peu chagriné par le mot vérité. Parce que si on dit vérité, c'est qu'on laisse supposer que derrière, c'était mensonge. Or, la situation, c'est pas la peine de faire des remarques désobligeantes, madame Eva, elle. Laissez-moi finir, au moins. Simplement, je pense que ça concerne trois agents. Trois agents, dont deux étant peu actifs, dans la mesure où il n'y a pas grande activité, autorus, ont été délégués dans un autre service, dans deux autres services qui avaient besoin d'agents. Ça devait être provisoire. Le troisième, c'est une personne qui était à un arrêt de travail prolongé et la commission médicale lui avait demandé de reprendre le travail et le médecin de prévention, ils ne sont pas au courant, c'est un médecin du travail. Attendez, monsieur Lombel, on est sur la fiscalité, sur les taux de fiscalité, vous êtes où là? Ah bon? Revenu en arrière. Ah, vous êtes revenu en arrière? Oui, sûrement, oui, je l'ai sauté tout à l'heure. Bon, c'est juste une mise au point, quoi. C'est tout, quoi. Non, non, parce que je cherchais là, c'est la diapositive, c'est la diapositive 13. D'accord. Question de France. C'est clair, hein? Là, on est à question de France. Excusez-moi, alors, je me mélange avec les diapos qui sont présentes, puis on ne les passe plus. Donc je finis, parce que ça sera fait, on n'en parlera plus. Oui, allez-y, on vous laisse la parole. Donc la personne, simplement, là aussi, elle devait être reclassée. On a fait un remplacement provisoire en attendant que sa pathologie se termine. Donc, et puis il se trouve que les trois personnes, tant que je sache, ont demandé à rester dans les services où ils étaient délégués. Et donc là, évidemment, on fait une mise. Évidemment, la première partie était toujours payée par l'autorus et la cuisine. Et ensuite, ils ont été pris en charge, j'imagine, par le nouveau service. Si c'est ça. Voilà, donc il n'y a pas de chose à dire que c'est une vérité. C'est des choses qu'on voit dans le fonctionnement normal, et peut-être vous aussi, vous direz recours, quand un agent part quelques semaines dans un autre service, on ne va pas refaire non plus une convention, quand il y a des conventions, et une nouvelle fiche de poste. Oui, c'est courant, mais à ce moment-là, on fait une refacturation de budget à budget. Mais ça a duré quelques semaines, normalement. Ah ben non. Si. Ah non. Enfin bon. De toute façon, c'est un budget à part entre autorus et budget principal. Ça peut arriver, quand c'est significatif, trois postes budgétaires à 60 000 euros, monsieur le maire. Donc, ça se refacture de budget à budget. C'est tout. Oui, mais ça, je suis bien compris le fonctionnement.
Mais je pense que c'est, bon, c'est peut-être excessif de dire que c'était, on mettait la vérité au centre. C'était, on aurait dit, on a régularisé, ça m'aurait tout à fait convenu. Écoutez, on le changera sur le PowerPoint qu'on affichera sur le... Ouais, on tient compte de votre remarque. Ça me satisfait tout à fait. Alors, on va passer maintenant au vote de l'approbation des taux de fiscalité directe 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Vocas. Et qui est pour? Merci. Question numéro 12, finances CCS, subvention de fonctionnement 2022. L'établissement public communal CCS reçoit annuellement une subvention de fonctionnement qui assure l'équilibre de ses recettes par rapport aux dépenses engagées. La subvention fait l'objet d'une demande du conseil d'administration du CCS qui envoie le budget sur la base d'une évaluation des charges. Il indique que son versement est opéré par part trimestrielle. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir attribuer au CCAS une subvention de fonctionnement de 840 000 euros et dire que les crédits sont prévus au budget de l'exercice chapitre 65, article 657-362. Y a-t-il des observations, Madame Gaillibert? Bonsoir. Je tiens à remercier le conseil municipal en ma qualité de présidente du Centre communal d'action sociale pour l'augmentation de la subvention versée au CCAS. Ça marche pas? Non, d'accord. Okay. Qui passe donc de 820 000 à 840 000 euros. C'est de plus une subvention actée qui nous libère de l'incertitude du montant alloué. Cette subvention sera de surcroît versée par trimestre, ce qui nous offre plus de régularité dans la trésorerie. Je vous remercie donc pour les maisons. Y a-t-il des questions, des observations? Alors, on vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Merci. Question numéro 13, finance budget principal de la ville. Monsieur le maire, excusez-moi pour cette délibération, je devais devoir quitter la salle. Oui, mais monsieur Boudard, ne vous inquiétez pas, il y a une multitude de personnes. Ce qu'on va faire, on va voter, on va aller voter sur les associations, ça va prendre un peu plus de temps, mais on va les faire une par une, parce que sinon, si on sort tous, je ne sais pas s'il restera grand monde ici. Hein. Voilà. Donc, j'avais prévu, parce qu'il y a beaucoup, on a fait le point déjà, il y a pas mal de personnes qui sont dans les associations. Donc, on va le faire. D'accord. Ok. C'est noté. Voilà. Donc, budget principal de la ville, approbation de l'état des subventions 2022. Je propose au conseil municipal de voter l'état des subventions annexé au budget primitif 2022. Les crédits sont prévus au compte 6574 du budget principal de la ville 2022. Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé. La répartition des subventions est détaillée dans le tableau suivant. Alors, on va commencer par l'amicale de Mésoise du tennis de table. 7 560 euros. Qui est pour? Qui s'abstient, qui est contre, moi je vois que tout le monde est pour. Andalousie Mésoise, 300 euros. Qui est pour? Qui s'abstient, qui est contre? AS Jean Jaurès, 700 euros. Qui est pour? 700 euros. Qui s'abstient, qui est contre? Vous me le dites, s'il y a des gens qui sont dans les associations, qui sortent au fur et à mesure. ASL Mésoise, 500 euros. Qui est pour? Association des chasseurs et propriétaires de Metz, 1980 euros. Qui est pour? Qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Personne. L'Aviron Mésois, 1000 euros. Qui est pour?
qui s'abstient, qui est contre. Le Badminton Club de Metz à 2000 euros, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Blue Calypso, 1170 euros, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. La Boule d'Azur, 900 euros, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Corpédienne Danse, 3000 euros, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Le Cyclocop Maisois, 900 euros, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. L'école de rugby Les Vignetons, 1800 euros, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. La gym rythmique Club Maisois, 900 euros, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Gypto Nature, 500 euros, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. La jeunesse sportive maisoise, 9590 euros. Alors moi, je sors parce que j'en fais partie, même si je ne suis pas dans le bureau, je préfère... On n'est pas obligé de sortir. Voilà, bon, je prends part au vote, voilà. Déjà, vous devez sortir tout à l'heure, encore, ça va. 9590 euros. Qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Le judo club maisois, 6000 euros. Qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. La bicycletta, 200 euros. Qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. La gaule maisoise, 450 euros. Qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Les bisons, 560 euros. Qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Mayura, 180 euros. Qui s'abstient, qui est pour, qui est contre. Qui est pour, ah, j'ai fini. Qui s'abstient, qui est contre. Là, je me suis réveillé un peu là. Metz Stade Football Club. Je participe au vote. 37 800 euros. Qui est pour, oui, celui qui a pas, qui a rougi pour, il est certain. D'accord. Qui s'abstient, qui est contre. Les 1000 pattes. Alors là, il y a une erreur. C'est pas 500 euros, c'est 1000 euros. Il a mis de l'orange, je prends pas part au vote. Hein, c'est ça. Voilà. Qui est. David et Dominique. Ouais, moi aussi, je suis dedans. Voilà. Qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. La nouvelle alliance maisoise, 8420 euros. Qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Et Nicolas Archimbaud prend ma parole au vote. Hein. La pétanque maisoise, 1170 euros, qui est pour. Qui s'abstient, qui est contre. La société nautique du bassin de Thau, 225 euros, qui est pour. Qui s'abstient, qui est contre. Le Tambourin Club maisois, 2200 euros. Qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Le Tennis Club de Metz, 4050 euros. Qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Je participe pas au vote. Tu participes pas pour le tennis. D'accord. Nicolas Moudard et Hervé Mouffinier ne participent pas au vote. Le Vététo, 200 euros. Qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Le volley club, le volley olympique maisois, 3150 euros. Qui est pour, qui s'abstient, qui est contre. Le yacht club maisois, 12385 euros. Qui est pour, qui s'abstient. Je suis parti du club. Ah, bien, alors tu ne prends pas part au vote. Ah, mais oui, moi aussi, oui, moi aussi.
Oui, d'accord. Ah, bon, oui, oui, mais non, mais pas au bureau, mais dans le... J'ai ma cotisation. Oui, oui, c'est bon. Hein? C'est que c'était au bureau. Qui c'est qui prend pas par au vote, là? Monsieur Deleu, Deleu? Madame, c'est tout, Madame Dardé aussi ou c'est... Oui, oui, oui. Oui, Dardé et Madame Estrada, d'accord, les trois. Ok. Alors ensuite, on passe à l'atelier d'expression plastique, 1130 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? L'atelier en marche, 405 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Les amis de pénitence, 630 €. Qui est pour? Qui c'est qui va parler? Il y a trois. Philippe. Trois. L'association Cercle Occitan de Metz, 810 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Et Madame Munoz, qui ne prend pas part au vote. L'association École Calandretta, 1350 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Jazamez, 50 100 €. On a déjà monté, d'accord. On a commencé. Le relevé poétique, 300 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La compagnie Mais alors, 300 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Tango vibrato, 300 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Si la Via Domitia m'était comptée, 200 €. Qui est pour? Attendez, qui c'est qui ne prend pas part au vote, hein? Madame Estrada et Monsieur Bouffinier. Madame... C'est bon, il n'y en a que deux. D'accord. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? L'OCE 34, coopérative scolaire alliante, 125 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? L'OCE CE 34, coopérative scolaire Coty, 175 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La coopérative scolaire Clémenceau, 275 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? L'OCCE Jules Verne, maternelle, 125 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Jules Verne Primaire Association les Nemo de Tour, 200 €. Qui est pour? Je participe pas. Monsieur Charbonnier ne prend pas part au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? La FSE Collège Jean Jaurès, 1000 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? L'Ardam. Alors moi je ne prends pas part au vote et je marie la Napéline non plus. 2430 €, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Les médailles militaires, 250 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? L'Union nationale d'anciens combattants, qui est pour? 270 €. Qui s'abstient? Qui est contre? La fête de l'huître, 6 000 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? L'association Le Chat Libre, 1100 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Club de l'amitié, 650 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? La SNSM locale à sauvetage en mer, 7 200 €. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre?
Au fil de l'amitié de 125 euros, qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Les jardins de la pépinière, 300 euros. Moi, je ne passerai pas au vote. Eve non plus. 300 euros. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Les Secours Populaires Français, Comité de Gijan, 4 500 euros. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Et le CAN, 300 euros. Qui est pour ? Je ne prends pas part au vote. Non plus, les deux. Madame Estrada et M. Olombel ne prennent pas part au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Alors, il y a titre, j'ai fait voter, mais j'aurais pu aussi poser des questions, s'il y avait des questions sur les subventions. Alors, comme vous avez pu le remarquer, on a eu des discussions entre nous et nous avons décidé de ne pas bouger les subventions cette année. C'est vrai qu'il faut se mettre à la place des associations qui, après 2 ans de Covid, ont passé des moments difficiles. Certes, en regardant l'état des subventions et des demandes de subventions, on voit bien que beaucoup de clubs ont perdu des adhérents. Alors, je pense que il fallait faire un geste et conserver ces subventions pour pouvoir aider nos associations à continuer, à pouvoir reprendre de l'activité. Voilà. Ensuite, vous avez remarqué que nous avons augmenté la fête de l'huître. C'est normal, cette année, ils vont fêter le trentenaire. Ça fait, on va dire, 2 ans qu'ils attendent pour faire ce trentenaire. Donc, on a demandé à mettre un peu plus, de passer de 3 000 à quelqu'un, attendez que je trouve un truc. Oui, de 3 800, on est passé à 6 000 euros, justement pour leur permettre de fêter cet événement. Et ensuite, nous avons décidé autre chose, c'est-à-dire où il y a des nouvelles associations, nous avons décidé, au lieu de... À l'époque, enfin avant, on laissait un an de fonctionnement avant de décider d'une subvention. On a trouvé logique de voter une subvention la première année, justement. Enfin, je pense que quand on veut monter une association, on a besoin de fonds, on a besoin d'aide. Et on a trouvé logique de changer cette façon de ce fonctionnement et de donner la première année une subvention. Donc il y a 3-4 associations qui profiteront de la subvention la première année. Voilà ce que je voulais dire sur les associations. Et ensuite, il y a des associations qui ne nous ont pas malheureusement encore rendu les dossiers. Et donc, nous passerons les subventions quand les dossiers seront rendus complets, puisqu'il y a des dossiers aussi qui ne sont pas complets, qui seront rendus complets au service et nous le passerons au prochain conseil municipal. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations ? Aucune. Eh bien, je vous remercie. Merci pour eux. Question numéro 14. Finance budget annexe du restaurant municipal compte de gestion 2021 et je redonne la parole à Monsieur Grenet. Merci Monsieur le maire. Bien, le compte de gestion 2021 a été diffusé à tous les membres du conseil municipal. Et donc, ce compte de gestion a été dressé par le comptable public. Il est conforme au compte administratif 2021. Il n'appelle ni observation. Il est donc demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir déclarer que le compte de gestion du budget annexe du restaurant municipal dressé pour l'année 2021 par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve. Il y a des questions ? Aucune question. On passe au vote ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est... Oui. Les élus sortants. Les élus sortants. Et qui est pour ?
Bon. Ah non, tu ne comptes pas, j'ai sorti. Question numéro 15, finance, budget annexe du restaurant municipal, compte administratif 2021. Je laisse la parole à M. Grain. Merci, M. le maire. Eh bien, comme vous le savez, le compte administratif 2021 du budget annexe du restaurant municipal vous a été adressé. Compte tenu de la subvention d'équilibre versée à venir du budget principal de 160 000 euros et de la subvention exceptionnelle de 181 330 euros faisant suite à la crise sanitaire, la balance générale du compte administratif fait apparaître les chiffres suivants. En fonctionnement, 1 305 537 euros de dépenses, 1 304 338 euros de recettes, soit un solde d'exécution négatif de 1 199 euros. Sur la section investissement, 62 555 euros de dépenses et 24 323 euros de recettes, soit un solde d'exécution négatif de 38 232 euros. Il a été reporté à la section d'investissement 25 873 euros de dépenses. Donc le total, s'agissant donc du fonctionnement, on dépense 1 305 000 euros de 537, 1 304 000 euros 338 de recettes, toujours donc un solde d'exécution négatif. En investissement, 88 429 euros de dépenses, 24 323 euros de recettes, ce qui nous amène déjà à un total négatif de 64 105 euros. Le résultat cumulé en fonctionnement, dépenses, inchangé, recette inchangée, solde de clôture inchangé, moins 1199 euros. En investissement, donc 88 429 euros de dépenses et 24 323 euros de recettes, donc un solde négatif de 64 105 euros. Ce qui nous amène à un total cumulé s'agissant du résultat de clôture de moins 65 304 euros. Donc, il est demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir approuver le compte administratif 2021 du budget annexe du restaurant municipal et de donner quitus à M. le maire de sa gestion. Et y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Eh bien, nous allons pouvoir procéder au vote. Alors, qui est pour ? Qui s'abstient ? Et donc, donner quitus à M. le maire, ce qui est fait. Qui est contre ? Pardon. J'en ai dit un. Personne n'est contre. Donc, quitus est donné à M. le maire de sa gestion. Nous allons passer à la question numéro 16. Il s'agit de l'affectation du résultat 2021. Donc, vous avez vu à la délibération précédente quel était ce résultat. Considérant donc le résultat de fonctionnement 2021 d'un montant négatif de 1199,18 € et le besoin de financement en l'absence de restes à réaliser d'investissement d'un montant de 64 105 euros, je propose de bien vouloir reporter le déficit de fonctionnement, soit 1199 euros, au compte 002, déficit de fonctionnement reporté. Alors, qui est contre ? On va commencer par la fin. Personne. Qui est pour ? Et qui s'abstient ?
Qui s'abstient? Personne? Ok. Donc, passons maintenant à la question 17. Toujours le budget annexe du restaurant municipal. Il s'agit de la subvention de fonctionnement 2022. Donc, ça fait suite au débat d'orientation budgétaire du budget annexe du restaurant municipal. Il convient maintenant de se prononcer sur le vote d'une subvention de fonctionnement versée par le budget principal au budget annexe du restaurant municipal. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir voter une subvention de fonctionnement d'un montant de 170 000 euros au titre de l'exercice 2022 du budget principal vers le budget annexe du restaurant municipal. Et des questions? Alors, qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Personne. Unanimité. La question maintenant numéro 18. Donc, je vous soumets le budget 2022 pour le service de restaurant municipal qui se résume comme suit en mouvement budgétaire. Au titre de la section de fonctionnement, les dépenses et recettes sont équilibrées à 1 418 912 euros. Et la section d'investissement est équilibrée en dépenses et recettes à 109 582 euros. Bon, vous avez eu le détail des dépenses de fonctionnement, le détail des recettes de fonctionnement, les dépenses d'investissement, par ailleurs, et les recettes d'investissement. Donc, y a-t-il des questions ? Je ne vois pas de questions. Nous allons donc procéder au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Okay. Aucune abstention. Ouais, okay. Alors nous allons maintenant passer au budget annexe de l'hébergement municipal, donc toujours selon les mêmes, je dirais, les mêmes usages. Donc vous avez eu communication du compte de gestion 2021 du budget annexe de l'hébergement. Il faut préciser que ce compte de gestion 2021 a été dressé par le comptable public, qu'il est conforme au compte administratif 2021 et qu'il n'appelle ni observation ni réserve. Il est donc demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir déclarer que le compte de gestion du budget annexe de l'hébergement municipal, dressé pour l'année 2021 par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordinateur, n'appelle ni observation ni réserve. L'ordonnateur, mais qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est la fatigue. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Question numéro 20. Il s'agit du compte administratif 2021 du budget annexe hébergement. Donc, qui vous a été bien entendu communiqué. Je rappelle donc que la balance générale du compte administratif fait apparaître les chiffres suivants. Au titre de la section de fonctionnement en dépenses, 138 019 euros et 165 233 euros, soit un solde positif d'exécution à 27 214 euros. S'agissant de la section investissement, 4 215 euros de dépenses pour 7 595 euros de recettes, soit un solde d'exécution positif de 3 880 euros 44. Sachant qu'il y avait, au titre de la section fonctionnement
un report en dépenses de 19 632 euros et un report en section investissement et en recettes de 27 767 euros. Cela donc nous amène en résultat, directement résultat cumulé. Section fonctionnement en dépenses 157 651 euros, en recettes 165 233, soit un solde positif de clôture à 7 781 euros. S'agissant de la section investissement, dépenses 4 215 euros et 33 363 euros de recettes, soit un solde positif du résultat de clôture de 31 147 euros. Donc, le total cumulé en dépenses, 161 867 euros, en recettes, 200 597 euros, soit un solde donc positif de 38 729 euros. Donc, en l'absence de restes réalisés d'investissement, l'excédent de financement de la section d'investissement est de 31 147 euros, et le résultat cumulé des deux sections est de 38 729 euros. Il est donc demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir approuver le compte administratif 2021 du budget annexe de l'hébergement municipal et de donner quitus à M. le maire de sa gestion. Alors, y a-t-il des questions ? On ne voit pas. Qui est pour ? Qui est contre ? Et qui s'abstient ? Donc, toujours dans la partie financière, affectation des résultats 2021, en considérant le résultat de fonctionnement 2021 d'un montant de 7 581 euros, et le résultat d'investissement à l'absence de reste réalisé d'un montant de 31 147 euros, je vous propose de bien vouloir reporter l'excédent de fonctionnement, soit 7 581 euros, au compte 002, excédent de fonctionnement reporté. Y a-t-il des questions ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Nous allons maintenant passer au vote du budget primitif de l'hébergement. Alors, je rappellerai simplement le document, vous l'avez reçu. La section d'exploitation est équilibrée en dépenses et recettes à 199 300 euros et en investissement à 36 610 euros. Je ne vais pas détailler, vous relire l'ensemble des dépenses de fonctionnement, l'ensemble des recettes, l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes relatives à ce budget primitif. Et je vous demande s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, eh bien, je vous demande de bien vouloir approuver les chapitres du budget primitif 2022 du budget annexe de l'hébergement municipal. Qui est pour ? Qui est contre ? Et qui s'abstient ? Unanimité. Question 23, finances budget annexe pour mixte compte de gestion 2021, Monsieur Archimbaud. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous. Je précise que le compte de gestion 2021 dressé par le comptable public est conforme au compte administratif 2021 et n'appelle ni observation ni réserve. Après avoir tenu l'exposé, il demandait aux conseillers municipaux de bien vouloir déclarer que le compte de gestion du budget annexe du port mixte dressé pour l'année 2021 par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur et n'appelle ni observation ni réserve. Après, y a-t-il des questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ?
Merci. Question 24. Finances, budget annexe du port mixte, compte administratif 2021, Monsieur Archimbaud. Le compte administratif 2021 du budget annexe du port de Metz. La balance générale du compte administratif va apparaître les chiffres suivants. Résultat de l'exercice, on va abréger un peu parce que sinon c'est trop long. Résultat de l'exercice, 326 882,90 €. Solde des restes à réaliser, moins 53 314,38 €. Un résultat cumulé de 273 568,52 €. Vous avez tous les détails dessous encore. Après avoir entendu l'exposé, il est demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir approuver le compte administratif 2021 du budget annexe du port mixte de Metz et donner quitus à M. le maire de sa gestion. Y a-t-il des questions ? Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Oui, on a entendu. Question 25, finances, budget annexe, port mixte, affectation du résultat 2021. Je laisse la parole à M. Archimbaud. Considérant le résultat de fonctionnement 2021 d'un montant de 243 058,15 €, je propose d'affecter l'excédent de fonctionnement conformément au tableau de reprise des résultats ci-après. Affection de la section d'investissement au 1068 200 000 €, report à la section de fonctionnement 002 excédent de 43 058,15 €. Il est demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir affecter l'excédent de fonctionnement au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé du budget 22 à hauteur de 200 000 € et reporter l'excédent de fonctionnement, soit 43 058,15 € au compte 002, excédent de fonctionnement reporté. Des questions, des observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Madame Imbert ne prend pas part au vote. Question 26. Finance budget annexe du port de Metz, vote du budget primitif 2022. Je laisse la parole à M. Archimbaud. Le budget 2022 du port de Metz se résume comme suit. Un mouvement budgétaire. Section d'exploitation, dépenses 419 404 €. Recettes 419 404 €. Section d'investissement, dépenses 569 977 €. Recettes 569 977 €. Vous avez encore les détails dessous. Demande à l'Assemblée de bien vouloir approuver le chapitre du budget primitif 2022 du budget annexe du port de Metz. Des questions, des observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Monsieur Foucas. Qui est pour ? Merci. Question 27. Finance tarif du port mixte 2022. Je laisse la parole encore à M. Archimbaud. La grille des tarifs hors taxes qui reste inchangée par rapport à ceux de l'an dernier. Ces tarifs ont été soumis à l'avis préalable du Conseil portuaire dans sa séance du 22 mars 2022. Ils ont été approuvés à l'unanimité. Dans cette grille figurent les tarifs applicables aux occupations commerciales des pontons et quais. Ils sont intégrés également en annexe les tarifs de grutage qui, eux, restent inchangés pour 2022. Je demande au conseil municipal de bien vouloir approuver ces tarifs. Une question, observation ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Question numéro 28. Budget annexe du port du Mont-Blanc, compte de gestion 2021. Je laisse la parole à M. Archimbaud.
Je précise que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le comptable public est conforme au compte administratif 2021 et n'appelle ni observation ni réserve. Il est demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir déclarer que le compte de gestion du budget annexe du port du Mont-Reblanc, dressé pour l'année 2021 par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur. On n'appelle ni observation ni réserve. Questions ? Des observations ? Aucune ? Je passe au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Question numéro 29. Question numéro 29. Finance, budget annexe du port du Mont-Reblanc, compte administratif 2021. Je laisse la parole à M. Nicolas Archimbaud. La balance générale du compte administratif fait apparaître les chiffres suivants. Le résultat de l'exercice est de 181 202,84 €. Solde des restes à réaliser, moins 10 578,90 €. Pour un résultat cumulé de 170 123,62 €. On passe les détails. Il est demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir approuver le compte administratif 2021 du budget annexe du port du Mont-Reblanc et donner quitus à M. le maire de sa gestion. Il y a des questions ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Vous aviez raison, monsieur, pourquoi je vous inquiétais de ma santé, hein, parce que j'ai un retour. Question numéro 30. Finance, budget annexe du port du Mont-Reblanc, affectation du résultat 2021. Je laisse la parole à Nicolas Archimbaud. Considérant que le résultat de fonctionnement 2021 d'un montant de 28 150,20 € et l'excédent d'investissement d'un montant de 142 473,42 € après prise en compte des restes à réaliser. Après avoir entendu l'exposé, il est demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir reporter l'excédent de fonctionnement, soit 28 150,20 € au compte 002, excédent de fonctionnement reporté. Des questions ? Des observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Question 31. Finance, budget annexe du port du Mont-Reblanc, vote du budget primitif 2022. Et je laisse à nouveau la parole à Nicolas Archimbaud. Le budget 22 du port du Mont-Reblanc qui se résume comme suit. Un mouvement budgétaire. Section d'exploitation, dépenses, 143 023 €. En recette, 143 023 €. Section d'investissement, dépenses, 251 261 €. Et en recette, 251 261 €. Je demande à l'Assemblée de bien vouloir approuver le chapitre du budget primitif 2022 du budget annexe du port de Metz. Des questions ? Des observations ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Une abstention, M. Focas. Question 32. Finances, budget annexe du port du Mont-Reblanc, tarif 2022. M. Archimbaud. Les tarifs sont augmentés, sont en augmentation de 10%, conformément au vote du Conseil portuaire du 22 mars 2022 qui les a approuvés à l'unanimité. Dans cette grille figurent les tarifs applicables au stationnement autorisé de camions aménagés pour la vente de produits alimentaires confectionnés sur place ou de matériel et prestations à destination des entreprises conchicoles et de leurs employés. Ces tarifs sont en hors-taxe, le service portuaire est assujetté à la TVA au taux de 20%. Je demande au conseil municipal de bien vouloir approuver ces tarifs. Des questions ? Des observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci.
Question numéro 33, finances, budget annexe du Thalassa, compte de gestion 2021. Et nous changeons et nous donnons la parole à M. Grenin. Merci, M. le maire. Bien, le compte de gestion vous a été adressé donc en vue de cette séance du conseil municipal. Il faut préciser qu'il est conforme au compte administratif 2021 et qu'il n'appelle ni observation ni réserve. Il vous est donc demandé de bien vouloir déclarer que le compte de gestion du budget annexe du Thalassa 2021, dressé par le comptable public, visé et certifié, conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve. Y a-t-il des questions ? On va passer au vote. Alors, qui est pour ? Qui est contre ? Et qui s'abstient ? Et sortons. Nous allons passer maintenant à la question numéro 34. Il s'agit de l'examen du compte administratif 2021. La balance générale du compte administratif fait apparaître les chiffres suivants. En fonctionnement, 57 567 euros de dépenses. 34 952 euros de recettes, soit un solde d'exécution négatif de 22 615 euros. Au titre de la section d'investissement, 30 102 euros de dépenses et 27 114 euros de recettes, soit un solde d'exécution négatif de moins de 1 987 euros. Les reports 2020 concernés en section de fonctionnement des recettes pour 33 718 euros et la section d'investissement également des recettes pour 19 319 euros. Ce qui nous amène à un total en fonctionnement 57 567 euros de dépenses, 68 661 euros de recettes. Donc, un solde d'exécution positif de 11 103 euros. En investissement, 30 102 euros de dépenses, 46 434 euros de recettes, soit un solde d'exécution positif de 16 332,57 euros. Sachant qu'il n'y avait pas de reste à réaliser, le résultat cumulé nous amène en section de fonctionnement à 57 567 euros de dépenses, 68 671 euros de recettes, donc toujours un résultat de clôture positif de 11 103 euros. En section investissement, 30 102 euros de dépenses et 46 434 euros de recettes, soit un résultat de clôture positif de 16 332. Le total cumulé dépenses-recettes nous amène à un résultat de clôture de 27 435,97 €. Les dépenses de fonctionnement, je rappelle, se composent des dotations d'amortissement d'un montant de 27 114 euros, des intérêts de la dette, est un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour un contrat d'exploitation du village de Thalassa pour un montant de 28 152 euros. Bon, je passe sur les autres détails en matière de recettes de fonctionnement, de dépenses d'investissement et de recettes d'investissement. En l'absence des restes à réaliser d'investissement, donc l'excédent de financement de la section d'investissement est de 16 332 euros. Et le résultat cumulé des deux sections est de 27 435 euros. Il est donc demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir approuver le compte administratif 2021 du budget annexe du Thalassa et de donner quitus à M. le maire de sa gestion. Y a-t-il des questions ? Oui. Alors tout le monde est en train de s'endormir. Je vois comme père anonymat, des gens s'en vont. Donc il fallait qu'il y ait une intervention. Non, je voterai contre ce compte administratif. Bon, déjà, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pas uniquement à cause du Covid. C'est une catastrophe parce qu'il a été fait n'importe quoi au niveau du, de,
du Thalassa lors du précédent mandat, et j'y étais. Le résultat, c'est que les comptes sont faméliques. J'ai une question, je ne sais pas si on a la réponse, donc j'ai la réponse à lien les comptes de la SEMABAT. Est-ce que la SEMABAT a touché des aides en 2020 par rapport au Covid dans sa gestion du Thalassa? Je pense qu'il y a eu des pertes comme nous on a eu pour l'autoroute, pour la cuisine. Je pense qu'il y a eu des recettes, à mon avis, de pertes d'exploitation possibles, oui. Mais c'est pas dans ce budget-là. Ce budget-là, il découle directement de la gestion. De la gestion, puisque on touche des royalties. Allez, d'accord. Voilà. Donc, ça sera contre pour l'ensemble de l'œuvre 2014-2020 sur ce sujet et pour le résultat. Merci. Pas d'autres questions? Alors, qui est contre? On va commencer par la fin. Donc, 1. Qui est pour? Et qui s'abstient? Merci. Nous allons passer maintenant à la question numéro 35, affectation du résultat 2021. Donc, considérant le résultat de fonctionnement 2021 d'un montant de 11 103 euros et l'excédent de la section d'investissement en l'absence de reste à réaliser de 16 332 euros, je vous propose d'affecter le résultat de fonctionnement à hauteur de 11 103 euros au compte 002, excédent de fonctionnement reporté. Il vous est donc demandé de bien vouloir affecter cet excédent de fonctionnement de 11 103 euros au compte 002, excédent de fonctionnement. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Personne. Qui est pour? Et qui s'abstient? Personne. Merci. Et nous allons maintenant passer à la question numéro 36. Il s'agit du vote du budget primitif du Thalassa, du village de vacances du Thalassa. Alors, la section d'exploitation est bien entendu équilibrée en dépenses et recettes à 49 661 euros et la section d'investissement est équilibrée en dépenses et recettes à 43 455 euros. Donc, je passe sur les détails dépenses et recettes et de fonctionnement et d'investissement. Et je vous demande s'il y a d'abord des questions. Pas de questions. Donc, je vous demande de bien vouloir approuver les chapitres du budget primitif 2022 du village de vacances du Thalassa. Qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Une abstention. Je prends pas, en tant que président de la SEMABAT, je ne prendrai pas part au vote. Très bien. Merci, monsieur le maire. Eh bien, nous allons maintenant passer au dernier budget annexe. Il s'agit de l'aire de camping-car et de son compte de gestion 2021. Il vous a donc été adressé avec l'ensemble des documents pour ce conseil. Il est donc précisé que ce compte de gestion dressé pour l'exercice 2021 par le comptable public est conforme au compte administratif 2021 et qu'il n'appelle ni obligation ni réserve. Et il est donc demandé aux conseillers municipaux de bien vouloir déclarer que le compte de gestion du budget annexe de l'aire de camping-car dressé pour l'année 2021 par le comptable public, visé et certifié, conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve. Y a-t-il des questions? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Question numéro 38. Toujours budget annexe de l'aire de camping-car, compte administratif 2021.
Donc, je rappelle que la balance générale du compte administratif fait apparaître les chiffres suivants. En fonctionnement, les dépenses sont à 5 213 euros. Les recettes à 9 623 euros, soit un solde d'exécution positif de 4 410 euros. En section d'investissement, les dépenses s'élèvent à 2 711 euros et les recettes à 3 425 euros, soit un solde positif d'exécution de 713 euros 34. Sachant qu'il y a des reports en 2020 en recettes au titre de la section de fonctionnement pour 6 762 euros et en investissement pour 19 007 euros. Cela nous amène à donc un résultat cumulé in fine, section de fonctionnement en dépenses 5 213 euros, en recettes 16 385 euros, soit un résultat de clôture positif de 11 172 euros. En investissement, 2 711 euros de dépenses, 22 433 euros de recettes, un résultat de clôture de 19 721 euros, soit un total cumulé au total de 30 893 euros. Alors, en l'absence de reste à réaliser d'investissement, l'excédent de financement de la section d'investissement est de 19 721 euros. Le résultat cumulé des deux sections est de 30 893 euros. Il vous est donc demandé d'approuver le compte administratif 2021 du budget annexe de l'aire de camping-car et de donner quitus à M. le maire de sa gestion. Y a-t-il des questions ? Je n'en vois pas, nous allons pouvoir passer au vote. Alors, qui est pour ? Qui est contre ? Et qui s'abstient ? Merci. Eh bien, maintenant, la question numéro 40. Il s'agit maintenant de voter le budget primitif 2022. Attendez, j'ai sauté une page. Exactement. Il s'agit d'affecter le résultat 2021. Excusez-moi. Donc, considérant le résultat de fonctionnement 2021 d'un montant de 11 172 euros et l'excédent d'investissement en l'absence de reste à réaliser de 19 721 euros, je vous propose d'affecter le résultat de fonctionnement à hauteur de 11 172 euros au compte 002, excédent de fonctionnement reporté. Et je vous demande de bien vouloir donc reporter cet excédent de fonctionnement au compte 002, excédent de fonctionnement reporté. Question. Donc, nous allons passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et donc enfin, le budget primitif 2022. Les sections d'exploitation s'équilibrent en dépenses et recettes. La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et recettes à 20 173 euros. Et la section d'investissement en dépenses et recettes à 29 894 euros. Bon, vous avez eu le détail des dépenses et des recettes de fonctionnement, ainsi que des dépenses et recettes d'investissement. Je vous propose donc d'approuver les chapitres du budget primitif 2022 de l'aire de camping-car. Y a-t-il des questions ? Questions ? Je propose que l'on passe au vote. Alors, qui est contre ? Qui est pour ? Et qui s'abstient ? Attention. Merci. Merci Marcel pour vos nombreuses interventions.